C'est un sacré défi qui attend Emmanuel Gardini et Laure Gonzalez. Ces deux Toulousaines se lancent à l'assaut du rallye des gazelles, 100% féminin. Un parcours de 2500 km dans les dunes marocaines qui a nécessité beaucoup de préparation. On s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire toutes les deux pour continuer à trouver quelque chose pour se surpasser ensemble, physiquement, dans une aventure exceptionnelle. Ce rallye est un rallye mythique pour les femmes. Donc voilà, il est apparu sans qu'on se pose de questions. Une aventure sportive que les deux jeunes femmes ont voulu associer à une cause humanitaire qui leur tenait à cœur. Tout au long de la course, elles représenteront l'association Entendre le Monde, qui depuis 2005 vient en aide aux enfants atteints de tumeurs à l'oreille. Et on va apporter donc du matériel auditif pour les ONG sur place, pour les aider. Et nous, on va aussi reverser une partie de nos gains à cette association pour l'aider à financer certaines missions. Voilà, donc c'est avec grand plaisir qu'on le fait. Pour le parrain de l'association, le rugbyman Vincent Clerc, ce projet est le meilleur moyen d'informer le public, mais surtout d'agir auprès des personnes touchées par la maladie. C'est l'occasion de développer dans des régions un peu reculées du Maroc et qui forcément n'ont pas les moyens médicaux et les compétences pour opérer les enfants. C'est que de la sensibilisation, mon rôle il est de sensibiliser et les gens qui se sont investis, qui ont envie de donner, d'aider, ils le font naturellement. Laure et Emmanuel ont un double objectif, finir la course parmi les 50 premières et contribuer à l'évolution de l'association Entendre le Monde. Rendez-vous le 14 mars pour le grand départ.